Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, bah ça y est, tout est plié, on rentre dans le détail, j'ai fermé la terrasse. On est avec des voisins ici aux alentours. Et puis on se dit au revoir, hein, comme avec tous. Ça a été des bons moments, on a été super bien accueillis avec eux, vraiment. Et puis, comme on se dit, on reviendra, parce que la Suisse, c'est pour nous. Allez. Ça fait bizarre de débrancher la prise. Hein. Ça y est, on quitte la Suisse. Alors ça, c'est fou. Ça me fait bizarre, vraiment, vraiment. Les gens viennent nous dire au revoir, chacun leur tour ici. C'est incroyable, quand on est installé comme ça. Mais bon, il faut partir, il y a un moment où il faut y aller. Allez, je débranche tout. Ça va? Ouais. Regarde ça, ça s'est mis dans les racines quand même. Bon, aujourd'hui, on part manger avec Christophe. Le collègue de papa, on va faire un petit pique-nique. Et après, on part. Je vous dis pas encore où on part, mais vous verrez dans la suite de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse voir ce qu'on va faire et puis où on va. Allez, gros bisous! Ouais, donc c'est la voisine du dessous là qui vient nous voir maintenant. On n'arrive pas à partir, mais bon, c'est tellement gentil. C'est fou, hein, d'être gentil comme ça. Elle a amené des œufs à Eva, un lapin au chocolat à Eva. Voilà, voilà. Et on a les voisins du dessus, les voisins d'à côté qui viennent. Ah, c'est cool, hein. Voilà. C'est une immersion totale dans notre voyage qui nous a vraiment fait kiffer. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre le crabeau, comme on dit, pour baisser le toit relevable. Donc, j'embraye et je mets la position. Tac. J'ai mis la pression dans les vérins et le toit va descendre. Allez, j'avais oublié le bidon de la machine à laver dessous le camion, j'allais partir comme ça. Bon allez, je vide les machines à laver, on dit au revoir à nos voisins. Et puis on s'en va, hein. Et puis on s'en va. Christophe nous attend pour le pique-nique de midi. Et puis voilà, hein. C'est un grand départ, c'est fou. On a dit au revoir à tout le monde, comme si on partait d'un lotissement où on avait vécu des années ensemble. Et le contact se fait, c'est ce qu'on vous disait. Puis là, tout ce qu'on se dit, c'est tellement... tellement fort en émotion que ça fait partie vraiment du voyage et c'est vraiment ce qu'on aime parce que c'est fou la sensation qu'on a là de vivre ces moments tout en étant nomade. Ah là, pas pareil là. Quand on met la chemise, ça va donner là. Allez Yohan. Ciao Hervé, à bientôt. Bon à bientôt, ouais. Au plaisir. Salut. Bye bye. Allez, je fixe mon petit socle. Et on est bon. Ah, vous avez vu le grand écran là? Pas pareil là. Hein. Allez, je mets ça ici. Et on est bon. Faut fixer le téléphone, c'est top. Cette fois, c'est le départ. Il y en a Marion derrière. Ah, ça y est, ma petite femme derrière. On roule pas ensemble, mais bon, c'est tellement important d'avoir la voiture que
c'est pas très gênant. Parce que surtout qu'on veut pas des grands kilomètres, vous nous connaissez. Salut Yann! Ciao! Allez, là on va prendre un bout d'autoroute direction Colombier où on va mettre de l'essence dans le camion, enfin, du gasoil. Et puis c'est parti. Allez, au revoir à Neuchâtel. Ah ma chérie. Tu veux qu'on vérifie la pression de Benzo ou quoi? Non, c'est bon. Regarde ça, bravo ma chérie, c'est bien. Moi, tu fais ça bien? Je roule toujours en sécurité. Ah bah Marion, pour ça, elle est... C'est sûr qu'on peut être confiant avec elle parce qu'elle prend toujours soin de faire tout bien pour sur la route. Et ça, c'est très très important, c'est sûr. Bravo, allez, je mets ça. Et toi, tu veux que je te mette... Combien le gasoil? 1,94 Cyril. On va pas en mettre beaucoup, hein. On va en mettre pour aller jusqu'à Pontarlier. On va en mettre 5 francs, hein. Allez. À Pontarlier, il est à combien? 1,75 je crois, non? Ouais, je crois. Mais euros. Là, on est à 1,94 francs. On est en train de mettre l'essence et puis regardez en face qui c'est qu'on a là. Nos voisins avec le bus double étage. Donc on va faire un petit coucou de revoir. Regardez, il me lâche pas, hein. Putain, mais arrête, Non, mais vous me manquez trop. Et voilà. Je vais vous suivre toute la journée. Vous savez que maintenant on sera le camion, la voiture et le car, et voilà. Allez, on, va. Bon convoi, on dit un au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je vais à Cortaillo, donc c'est sur le chemin. Voilà. Bonjour. Bonne journée. J'étais là, derrière toi, je surveille. J'ai pris du ravitaillement, hein, ouais, là vraiment. On fait le tour vite fait, on dit au revoir, on va penser à leur dire au revoir là-bas. On est en retard. C'est pas, il fallait qu'on se voit et voilà, et là on se croise, c'est un signe. Allez, on fait le tour, on va les voir. Allez, on traverse la voie et puis on va leur dire au revoir parce qu'on a quand même passé un bon moment sur le parking ensemble et on n'a même pas eu le temps avec le boulot, avec tout ça, de se côtoyer trop. On a eu toujours du bon contact, mais on n'a jamais eu le temps de prendre soin de parler tranquillement, mais voilà, c'est pour ça que je prends le temps. Allez, c'est parti, cette fois c'est moi qui te suis. Ah, ça nous rappelle de bons souvenirs, ça, hein. Ah ma chérie, ça nous rappelle de bons souvenirs, hein. Allez, c'est vrai que il doit pas y avoir grand chose, hein. Allez, c'est passé là. Pour tous ceux qui connaissent, regardez où on est. C'est parti, on va monter dans les montagnes au-dessus de Bôle. Cette fois, on quitte Neuchâtel. Et ouais, alors cette fois, ça fait bizarre, hein. C'est une route que je prenais ici. Marion aussi, ça lui fait quelque chose, hein, de partir. Et ouais, 6 mois dans un pays, il n'y a rien à faire, hein. C'est fou. On s'y est habitué et puis on a adoré. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est encore autre chose.
Et c'est super de s'immerger autant de temps. Vraiment, vraiment. Allez, on quitte Rochefort, direction Pontarlier, Val de Travers. Cette fois, c'est la dernière vue sur le lac. Alors, ça vous dit quelque chose là-haut? Regardez le cirque. Le creux du vent juste au-dessus de nous. Voilà où on passe, où on était hier. Juste la hauteur. Allez, le tunnel à 4,50 m ici. Donc c'est bon, on a largement la place, mais ça fait bizarre quand même. Hein. Oh là là. J'ai vu 4,5 m. J'ai dit, putain, ça va être juste. Il va rester 5 cm au-dessus. Mais en fin de compte, non, c'était 4,50 m. Et oui, Val de Travers, le berceau de l'absinthe. Et ouais, l'absinthe, il y avait le musée de l'absinthe ici, là, et on n'a pas eu le temps d'aller le visiter. On doit revenir. Ça fait partie des choses à faire quand on va revenir. L'absinthe. Qui connaît l'absinthe? Alors, la spécialité de quelle ville? Ah, je l'ai dit normalement. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on quitte Neuchâtel. Fini pour nous l'aventure suisse, on repart pour de nouvelles aventures. C'était vraiment une super expérience, la Suisse. Enfin, pour moi, elle restera dans mon cœur, la Suisse. Et tous les gens qu'on a rencontrés, des gens extraordinaires. En tout cas, on reviendra, ça c'est sûr. Quand? Ben, je ne sais pas, mais on reviendra. On a passé vraiment des bons moments et là on s'en va pile quand la météo commence à aller mieux. C'est un peu frustrant, je vous l'avoue, mais ça donne encore plus envie de revenir la prochaine fois. Allez, en attendant, moi je suis Hervé, on va s'arrêter encore à Couvet, manger avec le collègue d'Hervé, avec Christophe. Avec Christophe et Céline pour leur dire au revoir. Et puis après on passera à la frontière française aujourd'hui, normalement, si tout va bien. Parce que demain on a rendez-vous avec des copains que vous connaissez bien. Allez, et ben c'est parti et à bientôt la Suisse. La voiture, merci la beaucoup. Alors voilà, on va manger avec lui. Et ben voilà, on est tranquille avec maman. Ça fait bizarre de reprendre la route. Ouais, on est toutes les deux dans la voiture. Ouais, on est toutes les deux dans la voiture. Ça fait un moment que j'ai pas conduit. Le fait d'être en covoiturage, c'est vrai que tous les jours. Et eh ben on m'emmenait au travail et on me ramenait. Donc d'ailleurs merci encore à Xavier pour ses bons moments en voiture et à ma petite Sophia. Et du coup ben, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup conduire sur Neuchâtel puisque c'est Hervé qui avait la voiture pour pouvoir se déplacer avec Eva. Et du coup revoilà au volant, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Ouais. Donc là on rentre à Lyon avec la voiture et le camion. Ouais, il va voir pas mal d'aventures entre temps. Du coup voilà, bon ben je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis restez bien parce que des petites surprises. Bon, on a un passager, hein, pas pareil là, attention. Allez, bienvenue à Christophe dans le camion. Première fois, bah, ça fait 6 mois qu'on se côtoie et c'est la première fois qu'il monte dans le camion. Bah oui, on a jamais pas roulé. Donc nickel, je suis content de l'emmener faire un tour. Et puis on va manger ensemble à midi hein, avec
Céline, et malheureusement Cléa n'est pas là aujourd'hui. Mais on pense à toi Cléa, hein, t'inquiète pas. Allez, et puis c'est le départ, on se reverra bientôt. Cléa est la fille de Christophe et de Céline. Et Eva, quand on est arrivé, elle me dit « Ah mais il n'y a pas Cléa, c'est vrai. » Et ouais. Bon bah écoute, hein, ça sera pour la prochaine. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, direction Mautier, alors pour tous ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'il y a à Mautier? Eh oui, il y a un musée. Allez, c'est parti. Eh ouais, le musée de l'absinthe ici. On est dedans là, ça y est, je vous avais dit. Hein. Nickel. Ouais, c'est cool. Allez, on va sortir la table et en plus on va se mettre là, on va bricoler un peu. Quand je dis bricoler, c'est casser la croûte. Hein. Ouais, je vais te flécher. Bah, c'est bon, régalé. Bah, tu veux se régaler, regardez ça. On est gâtés. Alors Eva, t'es contente? T'as un couteau? Alors voilà, on est invités dans les rues de Mautier par Christophe et Céline, là, qui ont tout préparé aujourd'hui pour notre au revoir. Eh oui, on pense à Cléa. Hein. Bah oui, hein, ma pauvre bichette. Voilà la petite caisse, et dedans, tout le kit pique-nique est là. Donc c'est nickel, regardez ça. Voilà, quel plaisir. On s'est garé ici, juste devant le musée de l'absinthe, qui est juste là. Avec la fontaine centrale, regardez ça, c'est bizarre au milieu de la rue comme ça là. Ouais, c'est alors, fou. Tout le long. Partout, hein. Ouais. Voilà, donc le musée de l'absinthe, on va pas y aller, je pense. Bon, on y reviendra plus tranquillement, mais on va aller devant tout ça, puis se promener un peu par là. Allez dedans, regardez. Voilà. Vous voyez comment c'est fait dedans. Allez, bon appétit. Si vous êtes à table, à bientôt. Voilà, regardez, là, ça y va aller. Les aromates. J'ai tout pris là. La totale. Avec l'estromie. Ah, il y a l'estromie. Mmh. C'est bon ça. Et les trifles. Eh ben, c'est sûr. Oui, ça c'est là, ouais, spécial tomate mozzarella, je crois. Quand tu fais des salades tomate mozza. Et ça, c'est quoi, Eva, que t'as comme tomate mozza. Ça, tomate mozza. Si tu veux du. Ça, à la Provence. Moutarde. Ouais. Moutarde. Ah. C'est alsacien. Allez, Laure. Je vais goûter. Allez. Salut. Allez, c'est tellement bon, hein. Ah, c'est l'avantage du 4x4, hein. Pas besoin de s'ennuyer pour les calages. Qu'est-ce qu'il fait, mon Christophe? Ah, qu'est-ce qu'il y a, y en a c'est le village de l'absinthe, mais des fontaines. Il n'y a que ça. Hein. Il y a les fontaines là, il y en a là-bas, il y en a partout. Regardez l'eau comme elle est claire, comme elle est belle, potable. Hein. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir repris la route. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien. S'arrêter comme ça dans les petits villages. Allez, on vous laisse, on va aller à la cascade de Mautier. Mautier, du village de Mautier. Elle se trouve juste là-bas et apparemment c'est joli. Elle est beau celle du Doubs, non? C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Parce que celle du Doubs, bon, voilà quoi. C'est dommage qu'on la voie d'en haut. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais tu peux, malgré ton côté France, tu peux descendre France, pour la voir. D'accord. Voilà, mais côté Suisse, tu n'as qu'un point de vue. Ouais. Alors que français, tu peux être en haut ou en bas. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai regretté un peu de l'avoir. Bon, j'y ai été rapidement, vous avez vu, je suis allé en courant. Mais elle était belle quand même. C'est fou. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, bienvenue à Mautier. Hein, c'est bien, ça fait du souvenir dans le village, comme on dit avec Christophe. On vient de connaître les gens qui habitent en face là. Allez, on balade. Comment t'es après manger là? Ça va? Ça va.
Ah, on a bien mangé en tout cas. Il fait beau, hein. Là, on part dans de bonnes conditions. Hein. Regardez ça, avec le drapeau suisse là-haut. Ah, il a sa place, lui, ici. Hein. Bravo. Ah, mais là, c'est celui qu'on voit quand on est sur la route. Ben oui. Il y a le drapeau suisse. Ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le village jusque-là. Là, on est dans la vallée de Val de Travers. Alors. Val de Travers. La Vatrape, okay. Et tout, ils vont l'accrocher. Ils le mettent, toi, chaque année, ils le lavent. Oh là là. C'est, oui, ils vont le mettre. Hein. L'absinthe. Ah ouais, il n'y est pas l'hiver? Non, il n'y est pas en hiver, je crois. Ils le remettent. Ah bon été. C'est étonnant. Ou bien ils le lavent, chaque année, ils le lavent. D'accord. Ah oui, il faut que ça soit propre. Et hein, ils vont le remettre en faisant de la Vatrape, quoi. Ils vont le remettre. Et ouais, ouais. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, regarde ça, on dirait une piscine. Baigner dedans. T'as des fontaines, donc tu bois. Et à côté, tu as un petit placard et il y a une bouteille d'absinthe. Cachée. D'accord. Tu laisses un petit 2 francs, tu te sers. C'est pas vrai. Et les gens, ils vont boire leur petit absinthe à la fontaine. Et il y a moyen de trouver les adresses, non de... Bah, des adresses de quoi? Allez. Ils veulent pas dire où sont les bouteilles cachées. À la Poitares, il y en a une. Ouais, mais bon, faut aller loin. Aller... Non, c'est pas loin, mais ça fait un petit détour. Quoi. Non, on va pas y aller. On va pas y aller aujourd'hui. On va pas boire d'absinthe. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, comme quoi, bah voilà. Regardez ces beaux tracteurs d'aujourd'hui, c'est fou. Même la calandre est belle, c'est tout beau. Et puis voilà, c'est vraiment maintenant l'outil polyvalent. Avec l'échappement, là, regardez ça. Et les trompes, il est beau celui-là, il est customisé un peu, c'est fou. Bah, moi, ça m'impressionne ces tracteurs, j'adore. Avec les commandes là sur les ailes, regardez ça, pour les vérins. Oh, les vérins qu'il y a là. Incroyable. Et là, qui c'est qui nous regarde? Qu'est-ce que c'est, Eva? C'est quoi ça, Eva? Un insecte? Ouais. Oh là là, il s'est fait écraser par l'arbre. Ouais, incroyable. Ça, c'est parce qu'il a bu. Oh là là, mais c'est quoi comme insecte? Un scarabée, ouais. Mais ça, c'est. Et ouais, on est dans le village ici où font nos artistes de village de Mautier. Plein d'œuvres qui sont exposées chaque année ici dans ce village, c'est ça? Et de différents styles. Ouais, c'est tous les 5 ans. Ah, tous les 5 ans. Okay, je vais faire un truc pour moi. Et donc, eh ben, on est mal tombé cette année, mais on ira voir sur le net les expositions s'il y a. Et puis voilà, on apprend plein de choses hein, par là. Hein.
Regardez comme c'est beau cette forêt là, c'est magnifique. Allez, je vous emmène en drone. Qu'est-ce que c'est que ça? Un canapé forestier. Donc voilà, bah bienvenue, je suppose que c'est... Les écoles, hein, ils viennent ici. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, puis ils viennent... ils prennent quelques cours comme ça en pleine nature, c'est très suisse. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Il y en a un peu dans tous les villages. Et été comme hiver? Oh ouais, ils peuvent venir n'importe quand. Hein. Ah ouais, et voilà. Encore une chose qu'on apprend. Tu t'es pas essuyé les pieds, non, franchement. Ouais. Alors, c'est l'école de la forêt. Ouais, petite pensée à la Ambis Family, aux filles qui faisaient l'école dans et la oui, forêt. Et oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est fou. Et oui, à Violette. Voilà, t'as pensé directement à eux. Bah oui, complètement. Allez les voir en ce moment, là, ils nous font rêver. Ils sont aux États-Unis. Ouais, oh là là. On n'est pas tout seul.
est magnifique. Alors, je pense toujours comme ça quand on est en bas, faut faire gaffe quand même, parce qu'il suffit qu'il y ait un tronc d'arbre dans la rivière, et ben, ah quoi. Non, non, ça fait peur en dessous des cascades. Hein. Je me méfie toujours, je regarde toujours tout le temps en haut, au cas où il y a un morceau. Il faut vite se mettre contre la cascade si le morceau de bout de bois tombe. Ah, j'avais vu un jour un souvenir d'enfance, j'avais vu au cirque de Saint-Même, en Chartreuse. J'avais vu comme ça un tronc tomber de la cascade, ça m'avait impressionné, mais il y avait des gens pourtant. Et on avait vu tomber le bois. C'était pas un arbre, mais c'était vraiment un gros tronc. Allez, c'est reparti. On va aller faire un petit tour dans le village maintenant. Ah, ça c'est des coins magnifiques. Hein. Ah, la Suisse, ça a tout de bon. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, des mini scarabées. Ouais. Ah, hein, c'est rare. Hein. Ceux-là, ils sont bien occupés. Voilà, regardez ça. Ah, on s'occupe au bord de la rivière. Hein. Je dirais, tu sais, les trucs qui étaient... Voilà, le village est magnifique ici, hein. Moitié. C'est très très joli. On voit que c'est dans l'esprit typique et puis de l'ancien. Regardez cet arbre, comme c'est beau. Ça devrait plaire à ma belle-mère, ça. Voilà, c'est quoi comme arbre, ça, alors? Ah ben si, c'est... Bah, c'est la fleur connue, là, c'est... C'est pas un lilas? Mais on dirait... Non, c'est pas un lilas. Wow. On dirait des fleurs de... C'est fou, on dirait des fleurs de cerisier. Et pourtant... Il est magnifique, j'adore. Sculpture ici, vous voyez. C'est une galerie d'art. Ah ouais. Il y a la fête des fontaines deux fois par année ici. Ah bon? Les enfants des écoles, ils décorent les fontaines. Puis on vient le soir et toutes les fontaines sont décorées, c'est super beau. Ah, ça doit être beau. Ouais. Ouais. Ah, j'aime. Regardez ça, ces belles fontaines qu'il y a ici, c'est sûr que c'est magnifique. Hein. On se demandait si j'allais passer en camion ici, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu passerais, toi? Bien sûr que non. Ah, chérie, tout est remis en règle. Non, 2,50, je passe pas. 2,50. C'est trop juste. Ça passe juste, mais ça passe. Et là, il y a plus de 2,50. Hein. Oui, bah si c'est comme les ponts, on a un peu de marge, mais si on peut éviter de me faire peur pour rien, ça m'arrangerait. Eh ben moi, je passe, voilà. Enfin, mais, vous me connaissez. Franchement, je pense qu'ils sont pas surpris. Que moi, je passe pas et que toi, tu passes. Si, mais toi tu dis ça, mais. Mais je passe pas. On dirait pas. Je te chauffe un peu. Et ça, Eva, regarde. Pour les insectes. T'as vu, ils vont dedans. Et là, pour tous ceux qui veulent des panneaux solaires, regardez. Il y a tout ce qu'il faut là pour être autonome. Ah, le village est beau. Hein. Et là, il y a le chat. On vient de casser le délire du chat. Il était en train de guetter le canard dans la rivière. Il y a combien de fontaines dans ce village? C'est fou. Je sais pas, il y a deux villages. Il y a Butte et Moitié où c'est la fête des fontaines. D'accord. Il y a pas mal de fontaines. Ah ouais? Celle-ci, elle... Historiquement, c'est là où ils se réunissaient un peu, les gens aussi. Hein. Aux fontaines, hein? Ouais, ils parlaient politique, tout ça. Ouais. Ah ouais? À l'époque, il y a longtemps. Hein, ouais. D'accord. Là, on a une vue sur la montagne avec le drapeau de la Suisse au loin.
Ah, comme dit Céline, ici c'est un endroit à venir se ressourcer. Hein. Un petit livre qui va bien. Ce drapeau, ça représente, on y voit sur les volets de maison des fois là. Le... C'est pas les armoiries? Ça c'est les armoiries de. Ouais, hein. Bon, ça c'est typique de Châtelois ça. Ah bon? Oui, bah, c'est les... ça représente les. Le blason? Voilà, c'est ça, ouais. De Neuchâtel? C'était l'ancien blason de Neuchâtel. Ah. C'était ce blason. On a vu ça hier en se promenant là-haut. Sur les cuissons. Au creux du vent. Il y avait des bornes. Et il y avait un blason de chaque côté qui représentait un blason avec deux, mais très mal, les chevrons. Très vieux, les chevrons. Ouais, les chevrons. Les et chevrons. Côté, il y avait le L et le P. L et P. Ouais. On était à la frontière de. Ça va être entre le canton de Vaud et. Exactement. Tout à fait. De Vaud et voilà. Et ouais. Bah si, c'est le canton de Vaud. Le canton de Vaud, parce que c'est LP, c'est pour Liberté Patrie. C'est le. Voilà. C'est le slogan. Ouais, enfin, le... Et là maintenant, on sait que c'est le drapeau de Neuchâtel, alors celui-ci. Les armoiries. Ouais, l'emblème. Les armoiries dans les emblèmes de Neuchâtel. Canton de Neuchâtel. Non, c'est l'armoirie. Un panda, tu veux? Regarde. De machine à laver, ouais. Ils foutaient ça dans l'eau pour et puis en fait ils mettaient les poissons qui pêchaient dans les rivières. Ah ouais. Et puis bah ça fait un. Bah voilà, ils vivent de là. Et là, comment ça s'appelle? Ils mettent des feuilles pour protéger pour le gel, oui, c'est peut-être. Ça, ouais, je pensais pour ça, ouais. Oui, ah, c'est ça pour le gel. Il a tout couvert. Et vous les enlevez bientôt. Je suis pas jardinier, mais c'est une bonne combine pour protéger. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Avec le chapeau de Napoléon au loin. Eh, la frontière France, c'est pas loin d'ici. Hein. Alors, on est à deux pas. Hein. Et oui, regardez, c'est ouvert. Paroisse réformée de Val de Travers. C'est quand même, c'est vrai qu'il a raison. C'est quand même assez austère, c'est vrai. Le château et le soleil. Donc là, on a toutes les armoiries là. Ça, tu vois, ça c'est des covaçons qui pouvaient fleurir les armoiries des. Comment ? Là, c'est Neuchâtel. Alors, Neuchâtel, moitié en fait, tu vois, en dessous, moitié. Okay. Beauvresse, bah, c'est une tête de taureau, voilà, Saint-Sulpice, t'as toutes les armoiries. Ah ouais. Et Covasson de Couvet. Ah, ok, les armoiries de, des vises alentours. De ce qui compose le Val de Travers, le Val du Vallon, Saint-Sulpice, Butte, Beauvresse, Moitié, Couvet, Fleurier. Oh là là, l'orgue est magnifique. Oh, et le toit en bois, regarde le plafond. Le toit, il est beau, le toit. On dirait un bateau à l'envers. Il a été décapé par sablage, tu vois. Regarde, on voit les nœuds restent avec la peinture. Il devait être peint, ce truc, avant. Oui, je pense. Ouais. Et là aussi, on voit que ça a été, gommé, sans doute. Allez, on pense à Xavier, Pierre-André et Claire et Adèle pour le Meulaire qu'on a bu. Adèle, on pense à toi, même si on n'a pas bu ensemble, on a pensé à toi quand on a ouvert la bouteille.
Voici le vin d'ici, la maison fondée en 1829. Le Moller, c'est un vin mousseux exceptionnellement bon et particulier par ses bulles qui sont, je sais pas, c'est ce que j'ai remarqué hier. Il a des bulles, énormément de bulles, que, vraiment comme un champagne très très pétillant. C'est comme un crémant quoi. Ah ouais, mais là les bulles que j'avais hier, ça me frétillait dans la bouche. Ouais. Et ouais, là c'est le prieuré dans toute sa splendeur. Ouais, c'est beau. Et tu fais, donc après tu mets tes verres avec de l'absinthe en bas. Ouais. Et ils te font couler goutte à goutte. Sur un sucre. Sur un sucre. C'est la vraie méthode de l'absinthe. C'est comme un canard alors. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est comme un canard avec la cuillère absinthe où l'eau tombe doucement. Dans l'alcool. Bah sur le sucre. Ouais. Passe à travers la cuillère et tombe dans l'alcool d'absinthe. Et ça, c'est la fontaine absinthe. Voilà. Là, on va pouvoir aller visiter peut-être... On va voir la maison de l'absinthe. Ouais. Donc là, t'as... Distillerie artisanale, voilà. Ça, c'est un magasin, en fait, ils vendent un peu. Ah, bah c'est bien, on va y aller faire un petit tour. La vraie absinthe, c'est ici, c'est pas l'absinthe espagnole. Hein. Et ouais. Ah bah là, on est dans le lieu. Et là, le restaurant, il est top, il est super sympa. 1910, interdiction de vente de l'absinthe. Ah c'était bon fini. C'était été interdit, c'était considéré un alcool qui rendait fou. Le 7 octobre 1910, interdiction en Suisse de commercialisation de l'absinthe. Ouais. Voilà, suppression de l'absinthe en Suisse. C'est voilà. Fou ça, ah ouais, je savais pas. 1991, donc on voit la fée verte. Ouais. Donc ça, c'est un peu... Ça représente vraiment le symbole. La fée verte, c'est un peu le mythe. De l'absinthe. Ouais. Avec les trois fondateurs les trois premiers cantons de la Suisse en 1291. Ça, bah, c'était certainement le clergé qui avait interdit un peu tout ça, qui a forcé. La croix bleue, bah ouais, c'est pour. Canton de Genève. C'est l'heure, voilà, c'était fini. Parce qu'en fait, l'absinthe, c'était un alcool. Aujourd'hui, c'est très cher. Et puis les viticulteurs, ils gueulaient, ils disaient putain, ils boivent pas du vin, ils se défoncent la tête à l'absinthe. Donc du coup, ça a été supprimé en sorte que ça soit abandonné. Ah ouais. Et en France, ça a été quelques années plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale. Quoi. D'accord. Ah ouais. Le saviez-vous ? Et ouais. C'est comme ça qu'on apprend des choses quand on est au cœur de. Du site où sont fabriqués les produits. Ah bah les alambics, regarde. Ah là. Ah, c'est fermé là-dedans, non? Ouais, là il est fermé là. Oh mince. Et avant t'avais de la sueur par terre. Mais ouais, ça aurait été plus joli, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on voit au loin là-bas? C'est quoi ce truc hyper haut? Hein, Christophe? Le camion, il est bizarre, quoi. C'est vrai que garé dans la rue comme ça, étroite, ça fait bizarre la chambre à l'étage. Voilà. Même moi, ça me fait bizarre. Pour ça, je suis sage, non? Alors, dame vient de nous ouvrir en disant que c'était fermé. Ça ferme à 17h. Et c'est 17h30, malheureusement. Elle a ouvert la porte, on a senti l'odeur de l'absinthe. Ah, ça me donne envie d'entrer, hein. Voilà. Donc c'est fermé. Je pense qu'on est positif du coup sur faire un peu de la là. Ouais. Rien qu'en ayant ouvert la porte. C'est clair. T'avais toutes les bouteilles de tous les fabricants là. Ah ouais. Bon bah voilà. Une bonne excuse pour venir. Ou moi, ou nous, ou vous.
Vous avez vu, en action. C'est... Bah, vous me direz, hein. Venez voir et puis vous m'en direz. On dirait plus mieux. Ils roulent dans le village là, hein. Ça y va. Hein. Ils vont vite, je trouve, ouais. Service du feu, ancienne caserne. Allez, c'est bien entretenu les bâtiments en tout cas. Et voilà, retour à la maison. Bon bah ça y est, on quitte ce joli village. On a fait des belles rencontres et puis eh ben, l'absinthe nous attend. Dans les prochaines fois qu'on viendra ici, on prendra le temps de venir visiter le musée. Si vous venez entre temps, eh ben, c'est à vous de nous dire. Voilà, donc toujours avec Christophe que je ramène à sa voiture. Ça va être les grands au revoir aujourd'hui. Alors, ça fait 6 mois qu'on s'est connus, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, souvent, très souvent. Et le courant passe, comme on dit. Hein, tout à fait. Allez, ben, ça va être les grands au revoir. Ah oui, on sait qu'on va se revoir, donc c'est bon. Allez, Marion, on part avec la petite voiturette, avec Pixette. Et on quitte la Suisse, hein. Ici on est à 2 pas de la frontière. Donc, ben, c'est pas loin d'ici. Donc on est en France dans 10 minutes, quoi. Ah là là, allez, on se dit au revoir. Aïe aïe aïe, c'est dur hein, ces moments. Hein. Fou là. Mais bon, on va se revoir. Hein. Et puis, ils ont le souhait d'acheter ou de louer un camping-car très prochainement. Donc, nickel. Même sur un week-end, ça peut se faire. Hein. On n'est pas loin. Puis, c'est une belle expérience. Allez. Allez, il vous fait une belle vidéo pour voir le camion partir. Salut mon Christophe. Ah là là. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Avec Marion qui nous suit derrière, regardez là. Salut les amis. Look out, here she comes. Ça fait quelque chose au cœur, faut le dire, c'est émouvant. Ah, c'est fou. Ces liens qu'on peut avoir comme ça, d'amitié, hein, vraiment, en passant du temps avec les gens et en s'appréciant. Bon, on y avait senti tout de suite hein, que le courant passait. Donc nickel. Et là, on en a la preuve. Hein. C'est pour ça que les mois se sont écoulés et c'est pour ça que c'est important que les mois s'écoulent pour se rendre compte des choses, de la vérité. Allez, et ben écoutez, je vous laisse, je me concentre sur la route. Marion est derrière, tout va bien, on y va, direction Pontarlier, Lons-le-Saunier. Qui c'est qui s'entraîne là? Une belle équipe. Une belle équipe de hockey sur glace. C'est où on était venu faire du patin. Bon ben ça y est, on passe la frontière. Ça y est, je pense à ma petite chérie qui est derrière moi. On passe pas la frontière ensemble chérie. Mais t'es juste derrière. Donc super. Ça y est, les douanes de Verrières, on sort par là. Personne nous attend. On est bon.
c'est fait. Nous voilà en France. Une page se tourne. Une page se tourne pour la Suisse avec nous. Je répète, c'était excellent. Les connaissances qu'on a fait, les rencontres, le travail, c'était bien, c'était tout bien, voilà. Allez, vous devez le savoir plus tant que je le répète. Maintenant, ça plaît, hein. Comment ça peut pas plaire? On se sent en sécurité, ma fille est épanouie, ma femme a aimé, qu'est-ce que je veux dire mieux? Bon, et ben ça y est, on vient de quitter la Suisse. On vient de passer la frontière là avec Eva. Hervé est juste devant. It's too bad, you'll never know. Hervé est juste devant. Et nous, on est derrière, en voiture. Et voilà, une page se tourne. Ça fait bizarre hein, de quitter la Suisse. La Suisse qu'on a tant aimée pendant 6 mois. Ah, et ben c'était vraiment bien, hein. Et là, on a fini en beauté, donc on était avec Christophe et Céline. On a visité Moutier, hein, un village magnifique. On a fait une petite balade, on a été à la cascade, on a visité Moutier. On a parlé avec l'équivalent de la gendarmerie, hein, la police qui est venue nous voir, qui était très curieux du véhicule, donc on a discuté avec eux. Et là, ça y est, il est quelle heure? 18h30, on reprend la route. On va faire quoi? Une petite heure, une heure et demie de route, et puis on va s'arrêter, on va se poser, parce que je vous avoue que je suis crevée, je suis encore en plein dans mon décalage horaire, entre guillemets, du travail, parce qu'il faut savoir que la semaine, et y compris le dimanche, on mangeait à 18h, et je me couchais à 20h, donc là, à 18h30, je suis un peu fatiguée, j'ai la fatigue qui arrive. Le point positif, c'est que demain, je me lève pas à 4h. Et bien ça va faire bizarre. Mais je pense que je vais pas me lever bien tard comme ce matin. Donc à 6h, je serai debout. Ça va me permettre d'avancer parce que j'ai quand même pas mal de travail. Et puis je vais avancer maintenant dans les vidéos YouTube pour vous. Je vais essayer d'en sortir 2 par semaine, je pense. On va voir comment ça se passe. Et puis la routine avec Eva, hein, comme d'habitude, les devoirs. Et puis voilà. Hein, plein de choses en perspective. Et demain, on retrouve des copains. Et ça va être trop chouette. Voilà, allez, à tout à l'heure. Le gasoil ici, il est à gasoil 1,83 ici à Pontarlier, à l'entrée de Pontarlier. On va aller à Leclerc. Allez, Leclerc Pontarlier, 1,75,4 pour le 4 pour le gasoil ici. Je sais pas si c'est cher. Je viens de mettre 400 €, j'allais dire 400 francs, 228 litres. Donc il me restait, ouais, j'ai un réservoir de 300 litres. Donc voilà, 23 litres au 100, 25 litres. Ça va. Ça fait un moment qu'on n'en a pas mis, donc ça fait plaisir d'en mettre un peu quand même. Oh. Et quand on en met, ça veut dire quoi? Faut pas se plaindre du gasoil. Quand on use du gasoil, ça veut dire qu'on profite de la vie. Et voilà. Faut y voir comme ça, moi, les choses. Et puis, je me dis qu'avec 100 euros, on va pouvoir faire quoi? Peut-être 800, 900 km. On va aller loin. On n'est pas prêt d'en remettre, hein, parce que à 30 km par jour, maxi. Et je mets le contact. Wouh, elle monte. J'adore, regardez ça, maximum. On va mettre le compteur à zéro. Le kilométrage. 0 km, tac. C'est bon. Allez, on va voir combien de kilomètres on va faire. 45 607 km au compteur. Bah, pas beaucoup le camion, hein. Allez, nickel. Allez, Lons-le-Saulnier, 70 km. Ah, ça va. C'est pas grand-chose. Je pense qu'on va aller au moins jusqu'à Lons-le-Saulnier. Ce qui nous fera plus que 100 km demain pour rejoindre les copains. C'est le temps qu'on en parle. Donc là, j'ai 188 km. Ouais, le Pontarlier, ben, Lons-le-Saulnier, 70, c'est bon. Demain, il nous reste 1 heure. 3 heures de route quand même, hein, sur la totalité.
tranquille. C'est un peu bizarre d'être seul, mais bon. Je sais qu'elle est pas loin. Bon bah ça y est, on vient de se poser, là on vient d'arriver. Hervé a trouvé, on n'avait pas regardé à l'avance où est-ce qu'on allait se poser. Et en fait Hervé a vu qu'il y avait des camping-cars ici, on s'est dit qu'on serait bien pour la soirée. De toute façon, on ne va pas rester tard demain, puisque le but c'est de reprendre la route pour rejoindre les copains. Donc voilà, on sera là pour ce soir et puis demain on repart pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, à tout à l'heure, on va découvrir les nouveaux voisins, on va rencontrer nos nouveaux voisins.